Bonsoir à tout le monde, beaucoup surtout plus les ressortissants du Grand Kasaï en général. Nous sommes à Kasaï Tshikapa, une des cinq provinces qui composent le Grand Kasaï. Mais chose grave, ce que nous voyons ici chez nous, c'est plus pire et inexplicable. Plus pire, inexplicable. De voir que nos parents, nos frères, les serres ont perdu leur parcelle ici parce que il y a l'obstacle que tout le monde ne peut pas. Depuis plusieurs années, vous verrez que cette ravin qui est derrière moi n'arrive pas à être bouché. C'est ainsi que nous demandons à notre président de synergie de notables de Grand Kasaï, de Nikamba et Chimbumbu, qu'il plaise à son autorité de bien vouloir plaider pour les Kasaï Tshikapa. Badibamanya, Achikondwa Chibambane, Luboulwa Mwakela, c'est ça Luboulwa Mwakela, qui nous doit aller l'auto, plusieurs années, je dis bien plusieurs années. Mais la fierté de notre grand Kasaï, selon la vision de notre leader, Kamba et Chimbumbu, est que toi qui la Kasaï, qu'est-ce que nous pouvons faire? Apparemment, nous avons appris que entre guillemets, là on ne sait plus jamais. Nous demandons vraiment au président de la République de comprendre que il est d'une province. La province où il est né, c'est une dans les cinq provinces qui composent le Grand Kasaï. Il est du Grand Kasaï. C'est lui le premier notable du Grand Kasaï. En tout cas, qu'il s'occupe de sa chère province. Qu'il s'occupe de toutes les provinces qui composent le Grand Kasaï. Pour faciliter à ce que notre Grand Kasaï avance plus loin comme toute autre province aussi. Merci beaucoup. Votre humble serviteur, le président provincial du Synergie des Notables de Grand Kasaï, le président de la jeunesse du Synergie des Notables de Grand Kasaï, Tshikapa, Topin Bakou. Merci beaucoup.